Hey les gens, c'est Drake Survie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu particulière. Aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft. Alors aujourd'hui, petite vidéo où je vais vous présenter mon serveur Ralen. Donc normalement, vu que je le dis peut-être mal, donc il s'affichera juste en face, là, juste en face de moi. Petite vidéo qui sortira un peu plus tard que d'habitude. Donc aujourd'hui, petite présentation. Donc c'est un serveur pour 10 personnes qui coûte 7,90 sur Xbox pour jouer avec PC, Xbox, téléphone et je crois bien PS4 si je me trompe pas. Et Switch aussi pour ceux qui jouent sur Minecraft. Donc ce sont des serveurs qui sont dédiés pour 10 personnes. Donc à partir que vous avez un certain nombre de personnes, ou si vous voulez jouer avec des amis ou que vous voulez créer un serveur. Surtout que bon, il y a certains serveurs qui ne sont pas très... On va pas dire des serveurs pas très sympas ou quoi que ce soit. Moi j'ai eu une mauvaise expérience il y a peu de temps sur le serveur d'un de mes amis. Donc... je me suis dit, autant que je me fasse un serveur, mais voilà, que ça soit pas trop cher ou quoi que ce soit. Donc on se fait une survie entre amis. Alors peut-être que plus tard, ça deviendra autre chose, ça deviendra, voilà, ça, on va essayer de faire au mieux. Donc je vais vous présenter un peu ce serveur. Donc avant de commencer, comme vous le voyez... alors on va pas regarder le nom en ami, bon je me suis trompé, je voulais marquer entre amis, mais bon c'est pas trop grave. Donc à la place d'avoir un écran de chargement, un écran où c'est marqué Minecraft, donc normalement vous avez juste reprendre le jeu, commentaire, quitter, et normalement il y a les paramètres aussi. Mais normalement si je me trompe pas, il n'y a pas le magasin et ni les flux et ni cet appareil photo. C'est juste approprié au serveur. Donc les flux, c'est spécialement pour votre serveur. Si par exemple vous avez un serveur et que vous voulez prendre des photos, vous allez dessus, vous prenez une petite photo et à partir de là vous faites ferme, voilà, vous faites partager. Voilà, capture d'écran est en cours de chargement. Donc à partir de là, ça, chargement, la capture d'écran a été chargée. Donc à partir de là, vu que la capture d'écran a été chargée, vous allez dans normalement, parce qu'il y a des bugs, moi j'arrive pas à les mettre. Donc normalement, vous allez là, vous faites ajouter une capture et vous faites ça. Et normalement, voilà, partager. Voilà. Capture d'écran est conservée dans votre Realm Partner. Ici, lancez-vous un clic, nouvelle compile. Alors le truc, c'est que je ne comprends pas pourquoi ça ne veut pas marcher. Pourtant, j'ai refait. Alors à part si... Bah, attendez. Est-ce qu'il faut leur mettre un titre? Parce que des fois... C'est parce que des fois, il n'y a pas de partage, gna. Alors voyons voir si en mettant un titre, déjà c'est déjà un peu plus long. Alors bien sûr là c'est, je vous présente un peu globalement et tout ça. Alors les paramètres sont différents, il n'y a pas, vous pouvez vous mettre en mode triche mais que en créatif. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire autrement qu'être en survie, c'est une survie. Vous ne pouvez pas mettre de commandes ou quoi que ce soit. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ça bug un peu j'ai l'impression. Ouais, c'est un peu buggé quand même. Bon, c'est pas trop grave. Et vous avez le magasin. Bon, bah ça, le magasin, c'est le magasin. C'est le magasin global. Donc, pour vous montrer un peu, donc on a une mine. Nous avons les champs qui sont là. Alors, bien sûr, au fil du temps, on améliorera, bien sûr. Nous avons une petite ferme. Donc, pour le moment, la ferme est... voilà, c'est une ferme, quoi, avec deux canassons. Nous avons deux chiens qu'on a eu tout à l'heure avec mon ami Dexter. Nous avons des moutons, alors bon, ne me parlez pas des moutons, c'est tout à fait normal, j'ai eu ma petite, vu que je suis souvent tout seul sur le serveur, j'ai eu ma petite, mon petit moment de d'égard, je suis allé chercher des fleurs et j'ai refait une teinte aux moutons, voilà. Donc nous avons cochons, vaches et moutons, donc voilà, petit
avec les petites pancartes. Donc clairement, plutôt sympa, plutôt sympa. Donc vous savez, on est en train de faire beaucoup de choses. La maison qui est au-dessus, qui est tout là-haut, c'est à mon frère. Donc pour ceux et celles qui seraient intéressés et qui ont une Xbox ou un téléphone ou une Switch, alors j'en parle en gain de cause parce que je sais que Boxy, donc si tu regardes cette vidéo, je sais que tu peux nous rejoindre, mais faut que tu me demandes, faut que je trouve le moyen de te demander aussi, parce qu'apparemment, il y a tout un bins pour demander, donc on en parlera après. Donc voilà, alors mon serveur, le serveur est à tout le monde, hein, quand vous arrivez, quand vous êtes nouveau, quoi que ce soit. Alors bien sûr, c'est quand même moi le proprio, mais il y a aussi mon frère, donc là on arrive à la mairie. Le truc, c'est que à partir que vous êtes sur le serveur, si vous voulez construire une maison, il faut au minimum faire quelque chose pour nous. Donc, je dis quelque chose, ça veut dire soit construire des chemins, aligner, faire des bâtiments. Donc, des bâtiments, par exemple, je vais vous montrer. Donc là, ça va être le commissariat et banque, entre parenthèses. Donc, ça sera là où il y aura les coffres et tout ça. Donc je vais pas vous montrer où ça sera parce que c'est privé, ça sera entre nous. Et voilà, là il y aura une fontaine, là-bas, donc le truc noir c'est le point de spawn, et tout derrière c'est mon cher ami Dexter qui est logé dans sa cabane, dans son cabanon approprié. Nous allons aussi faire des métiers, donc forgeron, forgeron, forgeron et bûcheron. Voilà, et oh, en braille. Vous aurez aussi une catégorie donc de policier et gardien de coffre. Vous aurez aussi un fermier, bûcheron et donc le forgeron. Après, au fil du temps, ça dépend. On aura peut-être des pêcheurs ou quoi que ce soit. Pour le moment, comme je vous le montrais là, parce que le truc, c'est que on peut être que 10. Donc, comme vous le voyez, on peut modifier le nom, on peut nom du monde, description du RLN. Donc, c'est une survie. Définition normale. Alors, normal, c'est un minimum difficile. Les zombies, les creepers et tout ça, quand vous avez, c'est pire qu'une survie normale. C'est pire qu'une survie où vous êtes en partie normale ou que vous êtes tout seul. Clairement, c'est très très compliqué. Il y a vraiment beaucoup de spawn et ça, c'est horrible. Donc, nous, on va pas toucher. On essaye de pas trop toucher. Vous êtes en normal et ça, voilà. Si vous voulez baisser, c'est le mieux, hein, parce que je sais même pas si en facile, c'est, ça sera identique. Donc voilà. Vous avez une survie. Comme vous le voyez, je ne peux pas modifier. Alors je peux mettre en triche, mais le truc c'est que ça ne marchera pas. Il faut obligatoirement mettre le truc obligatoire. Chercher le RLN connecté au club avec votre compte Microsoft. Donc je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas marcher. Pourtant j'ai un compte Microsoft. Donc je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Donc comme vous le voyez, donc. Là, c'est les membres, donc membres, machin. Donc il y a Dexter, mon frère et Rock, un autre ami qui n'est pas encore venu. Et bah, au fil du temps, si vous voulez venir, c'est à vous de venir. La taille du serveur, donc 10 joueurs, se renouvelle tous les 30 jours. Donc c'est 7,90, donc 7 euros, 9,99. Donc 8 euros, hein, on va arranger les angles, hein, pour ceux qui seraient intéressés de se payer le truc. Alors bien sûr, pour celui qui paye, voilà, la personne paye, mais par contre, les personnes qui viennent, si vous êtes invité, vous ne payez rien. C'est gratuit pour vous. Donc ça peut être utile pour les personnes qui seraient intéressées de jouer en serveur, mais qui font pas les cons, bien sûr. Vous avez les sauvegardes qui sont à minimum. Ouais, toutes les 1 heure. Après, vous pouvez faire une sauvegarde automatique quand vous quittez. Sauvegarder, quitter. Donc ça, c'est tout à fait normal. Vous avez vos réglages, ça c'est comme d'hab. Les manettes aussi, paramètres de manette. Bon, voilà, ça c'est souris et clavier. Et là, c'est la manette. Votre profil, donc ça, mettre à jour automatiquement les packs. Bon, ça, j'ai jamais touché. J'y toucherai jamais.
Les créateurs donc historiques de la voilà ça c'est surtout pour moi au niveau de la personne donc s'il y a quelqu'un qui spawn ou quoi que ce soit et que j'étais pas au courant je suis historique de là et à partir de là je sais qui s'est connecté de telle heure à telle heure ou quoi que ce soit. J'ai un peu regardé, bon, je ne veux pas le faire là parce que sinon ça va mettre des chargements pendant 15 jours. Donc voilà. Vous avez les modifications, donc vous pouvez jouer soit en première personne, soit en deuxième, soit en troisième. Ah bah là, il n'y a que troisième, troisième arrière et troisième avant. Ok, d'accord. Donc après, vous avez l'ATH à 100, vous avez plusieurs petites choses à modifier. Vous pouvez jouer aussi en écran scindé, donc en écran partagé. Donc soit en horizontal, soit en vertical. Donc moi je joue souvent en vertical si il y a quelqu'un qui vient ou quoi que ce soit. Vous avez les abonnements, donc vous pouvez avoir plusieurs serveurs, au minimum 4. Bon moi j'en ai deux, mais j'en ai supprimé un parce que ça ne me servira à rien. Donc j'ai enlevé un abonnement, donc ça sera au bout de 30 jours. Bon, c'est pas grave, mais c'est 30 jours gratuits et après vous payez 7,99, donc c'est plutôt utile. Connard. Donc attendez, je vais rentrer parce que là c'est du genre je spawn. Alors attendez. Alors la nuit tombe vite, la nuit tombe vite, le jour tombe vite aussi. Il y a beaucoup de spawn. Là ça peut aller encore, mais c'est très. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. Donc on a aussi le Nether, je veux dire, le Nether. Nous avons le Nether. Alors pour le moment c'est fermé, comme vous le voyez. Il y a les plaques de pression, tout ça. Mais c'est du genre où le petit monde... Voilà, il y a vraiment du monde en fait. Il y a vraiment très, beaucoup de monde. Vraiment beaucoup de monde. C'est plutôt chiant. Alors, clairement, j'ai eu de la chance parce que normalement, les creepers font beaucoup plus de dégâts. Et là, j'ai eu vachement de la chance. Je l'ai entendu faire pss derrière le machin. Mais c'est vrai que c'est très très chiant. Et il m'a enlevé les demi-dalles. Non, il m'a supprimé les demi-dalles. Il faudrait que je rebouche. Saleté de creeper. Donc je m'en occuperai après, hein, je ne vais pas non plus faire ça en vidéo. Il y a un pont là, donc on était sur les paramètres, hein, si je me rappelle bien. Donc on était dans les audios, donc vous avez vos ressources, vous avez les ressources par KLM, donc vous avez minimum 14 packs de plus, donc ça c'est pas mal. Donc des packs de... plonger dans le monde de riches. Donc bon bah ça c'est surtout pour embellir ou quoi que ce soit si vous avez autre chose à faire. Mais ressources et compléments. Bon, voilà. Donc c'est pas trop. Voilà, ça bug. Attendez, voilà. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés par un petit serveur, si vous voulez jouer entre amis, faire confiance aux personnes avec qui vous jouez ou quoi que ce soit. Si vous avez toujours une envie de se dire, bon bah tiens, on va faire un petit serveur, on fait notre machin. Alors, nous, on le fait voilà, à la guise. Comme j'ai dit à mes amis, moi, c'est vous faites comme vous voulez. Si vous faites une maison, c'est comme vous voulez. Je ne veux pas leur dire, bah voilà, vous faites comme ça, comme ci, comme ça. Donc, ça sert à rien. Tout ce que je veux, moi, c'est que quand les personnes viennent, c'est marquer leur nom. Donc, comme vous le voyez. Il y a moi, donc proprio donc du serveur, et Dexter, donc de banque plus police. Donc voilà, faut juste marquer votre nom. Si entre-temps vous ne savez pas ce que vous allez faire ou quoi que ce soit, vous ne mettez rien, vous mettez juste votre nom. Et voilà, c'est tout. Après, pour le moment, c'est surtout du tac au tac, on va dire. C'est surtout du tac au tac. Si vous avez des choses à proposer, c'est toujours pas mal. Si vous avez envie de venir ou quoi que ce soit, c'est toujours intéressant de venir. Je pense pas qu'on puisse être plus. Alors, je pense que c'est 10, comme je l'ai déjà dit souvent. Je pense que c'est 10. Et après. Alors, attendez, par contre, j'ai plus de pierre là. Ah, j'ai de la pierre, mais il faut que je la fasse chauffer.
Le truc, c'est que quand vous venez sur un serveur, je pense que c'est 10 sur le serveur. Et après, je pense que si vous voulez que quelqu'un d'autre spawn, faut que quelqu'un parte. Donc ça, bon, c'est dommage, mais au moins, si vous êtes un propriétaire ou quoi que ce soit, vous pouvez dire à la personne, bah voilà, toi tu joues telle heure, toi tu joues telle heure, toi tu joues telle heure. Et vous changez tous les, je sais pas, toutes les 1 heure, tout ça, machin. Si la personne a envie de faire des trucs sur le serveur, c'est plutôt pas mal. Alors, je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui ont un serveur sur un système comme ça, mais moi je vous le conseille. Parce que clairement, c'est vrai que d'avoir un serveur, alors c'est vrai que 7 euros, ça devient cher à un certain moment, mais si vous passez des heures et des heures sur un serveur et que vous faites plein de choses, moi franchement, ça faisait un moment que j'étais pas venu ou quoi que ce soit sur Minecraft. C'est vrai que j'avais fait des survies, j'avais parlé de survie, j'avais fait pas mal de choses. Mais c'est vrai que bah, quand on vient sur un serveur et que ben qu'on a envie de faire des choses, la banque, la mairie, j'ai mis un minimum de 3 jours de bah, j'ai mis 1 journée en tout et j'ai fait 3 heures de toit, 2 heures, ouais, 2 heures et demie, 2 heures et demie, 3 heures de toit, parce que bah, le plus chiant, c'est que moi j'aime surtout faire des demi-dalles. Et le truc, c'est que voilà, c'est les nouveautés, on a toujours un truc de nouveau, il y a toujours une mise à jour. Je revois le serveur de mon ami Rock. Alors, moi, je n'ai rien à dire sur son serveur, mais le truc, c'est que par exemple, l'ennemi dalle, on pouvait pas poser des choses sur l'ennemi dalle, on pouvait pas faire certaines choses, on pouvait pas faire certaines choses. Il y avait certains items qui étaient dessus, mais on pouvait pas les utiliser. Pour un serveur où tu vois 24 heures sur 24, des écritures sur ta gauche et sur ta droite, t'as pareil, un panneau de contrôle pour te dire t'es dans quel tel pays ou quoi que ce soit. Je sais pas, ils auraient pu mettre une touche en mode, bah attends, on met ça de côté. Il y en a peut-être qui veulent pas voir le texte, il y en a qui veulent peut-être. Voilà, on peut les raccourcir, ça on peut faire comme ça. Non, ils ont fait ça en mode gros parpaing. Moi qui ai pourtant une télé, une grosse télé, pour vous dire, au bout d'une heure, j'en avais marre quoi, d'avoir un machin de chaque côté. Tu dis, oh, ça suffit quoi, tu peux rien faire. En plus de ça, il y a des voleurs sur des serveurs comme ça. Clairement, moi je vous le conseille pas, hein. Moi, je suis allé faire une vidéo, j'ai fait un live. Allez, de 30 minutes. Clairement, j'ai fait quoi? J'ai fait 2-3 petites choses dessus. J'ai pas fait grand-chose pourtant, hein. Je suis allé miner, je suis allé faire des ressources, je suis allé faire des trucs. Mais si c'est pour voler, ça sert à rien de jouer dans ces coups de temps-là. Autant se créer son propre serveur, payer de son côté et d'être tranquille. Clairement, voilà. Donc, voilà. Bah, pour ceux et celles qui seraient intéressés de venir sur un serveur. Comme ça, moi je vous le conseille. Je vous le conseille. Je vous le conseille. Alors attendez. Voilà. Je vous le conseille. Je vous le conseille. Même si c'est 7 euros. Même si c'est 7 euros. Même si le système est le même qu'une partie normale. Hein. Clairement, c'est une partie normale. Sauf que le temps est beaucoup plus rapide. Les arbres poussent beaucoup plus vite. Vos récoltes poussent beaucoup plus vite. Vos bétails, une fois que vos bétails sont en mode, voilà, une fois que les bétails sont clairement corrects, on va dire, entre parenthèses, une fois que le bétail est bien, pareil, le bétail va pousser beaucoup plus vite qu'une source normale. C'est clairement, c'est une des choses qui font que pour vous amuser ou quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment bien. Donc voilà. Donc moi, je vais vous laisser là. Alors attendez. Voilà. Je fais mon petit truc. Voilà. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que s'il y en a qui seraient intéressés par un serveur ou quoi que ce soit, bah moi, je vous le conseille. Clairement, je vous le conseille. C'est sûr qu'on n'a pas fait grand-chose. J'ai fait que de parler ou quoi que ce soit. Alors je ne sais pas si ça a bugué ou quoi que ce soit.
Mais le truc, c'est que au moins sur un serveur comme ça, vous pouvez vous pointer, comme ça vous pouvez faire votre petite baille, vous pouvez aller miner, vous pouvez aller vous amuser dans le Nether. Alors, le Nether, clairement, est complètement pété. J'en ai peut-être pas trop parlé parce que le Nether, c'est un des trucs que je crois bien que je peux plus voir en peinture. Dès les premières minutes, je me suis fait allumer par les ghasts. Il y a au moins 15 ghasts devant la porte du machin. C'est pour ça que je l'ai bien fermé ou quoi que ce soit. Il y a des squelettes au large. C'est ingérable sur le serveur comme ça. Donc, à voir pour plus tard si.